Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien! Il est 10h30, puis on est levé depuis 8h environ, comme d'habitude. Il mouillait à Sio tantôt, ce matin, là, c'était l'enfer, là, le soleil semble vouloir sortir et le ciel se met à être bleu. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Fait que là, c'est ça, excusez mon démaquillage que je pourrais dire. Je suis pas démaquillée. Là, Jonathan est parti avec Ophélie s'entraîner. Je viens de coucher Oscar et la roulotte est en bordel. Fait que c'est ça, là, je vais commencer mon petit ménage. Pardon, tranquillement, pas vite. Puis, c'est ça, je vais faire ça, puis après ça, je vais aller dehors. Dans ma to-do list, donc faire ma vaisselle, me trimer la face, me trimer les cheveux, faire mon lit, ramasser le linge par terre et ramasser la dinette dehors, parce que dehors aussi, c'est le bordel. Que ça rechargeait un peu, j'ai réussi à faire tout mon petit ménage et le beau soleil est de retour parmi nous. J'ai encore des problèmes de chignon croche. Ce matin, ben c'est ça, quand Jonathan est revenu, j'étais allée promener Oscar en vélo, comme j'ai fait hier. J'aime vraiment ça, ça fait super bien. Il a dormi une seconde. Je pense que le tas de boss, il a dû fermer les yeux puis j'ai regardé à ce moment-là parce que après ça, il dormait plus partout. Fait que c'est ça. Puis là, ça me tentait d'aller jouer au volley avec mon chum. Là, on faisait ça dans le temps, quand Philly est née. Ça fait vraiment longtemps. Puis c'est ça, on va aller se faire des petites touches-manchettes. Jonathan, il joue au tournoi en fin de semaine, lui, mais moi non. Là. Je sais même pas si je vais être capable de jouer. Avec, j'ai comme mal à mon bras droit, ça fait vraiment longtemps. J'ai comme une faiblesse, là. J'ai de la misère à prendre, à tirer les choses vers le haut, sur le côté. En tout cas, il faudrait que je fasse vérifier ça parce que c'est pas normal, à mon avis. Là. Je vais aller chercher mes lunettes de soleil. Ça sera pas long. Bon, toute la journée, on a essayé d'aller jouer au volley, puis le terrain était toujours pris. Fait que, oh yob, le volleyball! On est au parc! Youpi! Qui n'a pas fait ça quand il était jeune? Oscar, il se baignait dans la petite piscine puis il est tombé. Il est tombé par terre sur le ciment. Il s'est fait mal au front puis au nez. Pourquoi? Il commence à se lever pas mal, hein? Fait que c'est ça. Il s'est blessé un petit peu. Potica. Bon vendredi tout le monde. Je me lève. Ben oui, fait que c'est ça, hier, regardez sa petite face. Oh, petit, puis m'a gagné. Je l'appelle Oscar Face. Ah, j'ai pas été assez rapide pour le retenir de tomber sur dans la petite piscine, comme je vous disais. La petite piscine, là. Celle-ci, là. Celle-là. Bon, fait qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Bon week-end qui commence bientôt pour tout le monde. Nous, aujourd'hui, on n'a rien de prévu. Il fait pas pire beau. Je te dirais que il y a des nuages pas mal, mais je pense que ça va se dégager. Je sais pas s'il annonce la pluie. Oh, excusez. Fait que on va prendre ce qui passe, hein, que voulez-vous? On est bien. Dehors, on est super bien. On n'a pas de souliers. Ouais. Fait que c'est ça, hier soir, on s'est fait un feu, puis on s'est couché. J'ai parlé avec ma voisine, Jocelyne, puis ouais. On n'a pas réussi à jouer au volleyball hier, fait que peut-être qu'on va essayer aujourd'hui. Demain, Jonathan, il y a un tournoi, je vous l'avais dit, je pense. Hein. Fait que
C'est ça. Mais moi, je joue pas, là. Pas vraiment. De toute façon, je suis pas très bonne. J'irais pas me ridiculiser sur un terrain. Puis c'est un beach party encore demain. Ça, il fait tellement humide, là, qu'il y a plein de petits spots, genre, de moisissures. C'est dégueulasse. Tu sais, ça a pas bougé de là, là. C'est trop humide dehors, tu sais, parce que c'est tout ouvert ici, là, tu sais, j'ouvre les stores, les... Je veux dire, c'est pas confiné dans un petit endroit, en tout cas. En tout cas. Je comprends pas. La fois que tu te rends compte que ton café... C'est du décaféiné. Ça, là... Ça m'insulte. Ah! Tu sais? Prendre du café pour rien? Non. Pas moi. Non. Fait que... Une chance que j'avais un petit échantillon de café reçu par la poste. Excusez. Je suis vraiment frue de pas avoir pris un vrai café. Tu sais, j'aime ça le café, là. Mais j'aime surtout l'effet. Hein? Cheers! Bon samedi! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, c'est le beach party numéro 2. Puis le tournoi de volley numéro 2 aussi. Jonathan joue présentement sur la plage. Fait que je voulais aller le voir. Hier, on s'est couché. Je me suis couché tard. Écoutez tout le monde. Hey, j'ai réussi à faire les anneaux. Tu sais, les anneaux, c'est comme genre... On va leur montrer. Anneaux, là, ouais. On va aller tout leur Emma, montrer ça. Emma est là. Ah. Emma est au parc de la plage avec Marcus puis Oscar. Peux-tu y aller? Ben, oui. Tu reviendras me chercher. C'est-tu là que tu vas faire les anneaux? Non, c'est les autres. Là, il y en a plus, mais je suis incapable qu'il y en a moins. Ah. Va voir, oui, je vais y aller. Yeah! Il y en a un ici, Enzo. Ouais, je sais, mais... Puis, ça va-tu bien? T'es fine, Emma. T'es-tu bonne humeur? T'es drôle. Oui, c'est vrai, t'es drôle, moi, t'es minou. Ouais, fait qu'on a fait... Il y avait un feu hier chez des amis en arrière de... notre voisine, fait qu'on est allé faire un tour là. Puis, non, c'est pas vrai, je suis juste moi qui est allée. Ben, Jonathan jouait au volleyball le matin à 7h30. Fait qu'il s'est couché de bonne heure. Fait que moi, je suis allée. Puis, c'est ça, c'était super le fun. On a jasé, on a ri. C'était vraiment plaisant. Mais je me suis couchée quand même à 1h du matin. Fait que ce matin, j'étais fatiguée. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Là, je vais aller... demander un bon café à mon ami, étant donné qu'on se souvient que moi, j'ai juste du décaféiné, hein, puis que je prends du café décaféiné depuis une semaine. Puis ça me fâche vraiment, fait que je boycotte mon café décaféiné, même si je m'en étais pas aperçue. Fait que c'est ça, je m'en viens voir mon ami Véronica. Vous vous souvenez que Enzo nous disait qu'il était capable de faire les anneaux. Alors, nous voici aux anneaux. Vas-y, Enzo! Ouais! Bravo! T'es donc bien bon! Facile! Un vrai petit singe! Bravo, Enzo! Yeah! Bon, Jonathan qui joue au volley! Salut, Elliot! Pas ton vélo, ça? Raté. Puis? Tu viens de perdre? J'espère que tu prends pas ça trop dur. J'espère que tu prends pas ça trop dur. Ouais. Ben, reprends-toi à la prochaine.
J'avais un oiseau dans la mise. Hein? J'ai fait tout qu'un saut. C'est vrai? Oui. Il y avait un oiseau dans la remise. Il était pogné où? Hein? Il était comme pogné ou quoi? Non, il était caché dans le fond. Hein? Peux-tu prendre le bébé, s'il te plaît? C'est pas l'oiseau mouche, ça. Je ne vois pas, là. Peux-tu prendre le bébé, s'il te plaît? Oui. Voilà. Arrête plus. Bon, mais Jonathan se fait attaquer par un oiseau. Fait que c'est ça, Jonathan, qui a perdu en demi-finale, finalement. Ça avait bien commencé, mais c'est pas encore, c'est pas son année. J'ai mal joué. Ah, il dit qu'il a mal joué, mais je suis sûr qu'il a pas mal joué. Mais... Non, j'ai vraiment mal joué, ça. C'est pas ma meilleure partie. Bon. Bye. Ben oui. Ben, trop gagné. Il jouait juste avec des jeunes, en plus. Bon, ils ont tous mal joué. Après, oui. Bon, ils ont tous mal joué, finalement. Mais non, ils ont tous bien joué, puis c'était pour le plaisir, puis c'est pas grave. Ils en ont gagné 4. T'en as gagné 4? 5? En tout cas, ils jouent depuis 7h30 le matin. Fait que c'est sûr que ça... À un moment donné, c'est de bonne heure, là, 7h30. Après cet après-midi, il a commencé à mouiller. Fait que... J'ai décidé de rester à roulotte. J'ai tout rangé les choses. C'était le beach party, mais il mouillait. Fait que... J'imagine qu'il n'y a pas eu un gros beach. Marcus était extrêmement fatigué, là. Il faisait vraiment n'importe quoi. Il pleurait. Il chignait. C'était pas le fun, là. Je voulais le coucher, mais... Il a pas voulu se coucher. Fait que... Là, il vient de finir de mouiller, puis on est tanné d'être dans la roulotte. J'ai fait 5 slushs. Pour Ophélie, ses amis, puis Enzo, puis Marcus. J'ai rempli les affaires de slush, puis gaffeuse comme je suis. J'ai pitché la framboise bleue à terre. Ça a tout coulé sur le plancher. En tout cas, ça se ramasse vraiment mal. C'est pas comme quelque chose. C'est comme sirupeux un peu, puis c'est ça. C'est vraiment pas mal. Bon, fait qu'on va prendre une petite marche, puis. Pour souper, on va se faire des tourne d'eau. Félie, c'est ça, là, une amie qui est venue. Oh, ça fait super longtemps que je veux venir, puis qu'à chaque fois que je viens, encore on vient, j'oublie tout le temps un plat pour ramasser les petits fruits. Regardez-moi ça! Des beaux petits bleuets. Fait que je fais une récolte. Je vais vous montrer ce que je vais avoir ramassé. Il y a des bleuets, puis il y a des framboises. Fait que. Je sais pas si... Sûrement qu'il y a du monde qui ont passé avant moi, mais c'est pas grave! Il en reste toujours un peu pareil. Fait que je vais m'en ramasser un petit peu. Ça va être bon, ça goûte tellement meilleur là, que acheter au magasin. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement bon. C'est tellement bon! Je vais cueillir ce que la nature nous offre et je vous reparle plus tard. Que la nature m'a donné des framboises. Il n'y a rien de meilleur que ça. Tu goûtes une framboise, ça ne te tente plus de manger du lait. Vous l'étudiez? Je ne me souviens plus. En tout cas, ils sont vraiment bons. Fait que finalement, on est arrivé. Les enfants, c'était la panique. Papa, bébé. C'était la panique parce que là, je sais pas, il y avait faim, là, mais tu sais, ils ont mangé plein d'affaires aujourd'hui. Fait que finalement, ils étaient en train de se faire une soupe gâteau. Sors la soupe gâteau du micro-ondes, plâche à terre la soupe gâteau, la maman lâche un bip, hey, j'étais fâchée. Après ça, Elliot aussi, ça y est arrivé. Fait que là, ça faisait 2 soupes gâteau à terre, plus mon affaire bleue de slush. On m'a donné. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire un petit lait à mon bébé parce qu'il pleure encore. Pas mal sûr qu'il a encore faim. On mange des tourne-d'eau. Comme ça, assaisonné avec les épices qu'on avait achetées. Barbecue à Québec. Montréal, c'est super bon. On l'aime déjà. On l'a acheté, ça fait pas si longtemps, puis il y en a déjà presque plus. Puis on a aussi acheté la Tex-Mex, qui est un petit peu plus cajun.
Bon appétit, mon amour. Bon 14 ans. On ne sait pas c'est quelle date. Là, on est le 4. Non, c'est pas le 4. C'est soit le 6, le 7 le, ou le 8 ou le 9. On joue dans ces eaux-là. On dirait que je suis floue. Non, c'est bien. On est dimanche. J'espère que vous allez bien. Et maman, est-ce que 3 jours c'est passé? 3 jours? Maman? C'est-tu bon le déjeuner? Oui, c'est tout bien bon. Maman, est-ce que 3 jours c'est passé? Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? 3 jours c'est-tu passé? 3 jours de quoi, mon amour? Je 3 comprends. Jours c'est-tu passé? Mais ça dépend. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans 3 jours? Parce qu'il y avait une madame qui allait me donner une surprise. C'est qui? Une madame, là. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ça. C'est à cause que hier, aujourd'hui, et demain, ça va... Demain, est-ce qu'on est 3 jours? Ça va-tu être passé 3 jours demain? Ouais, je pense que demain, c'est le 3e jour. Mais je peux pas vraiment te répondre parce que je sais pas c'est quand ça a commencé le jour 1. Touche pas, ok Marcus? Ah, hier, Ophélie avait invité une amie. Ça nous a fait plaisir. Mais là, elle est rentrée à je sais pas quelle heure hier soir. Normalement, quand Yves annonce toujours la fermeture de la barrière à 10h45 à peu près, là. Pour dire qu'il reste 15 minutes. Normalement, c'est à cette heure-là qu'il faut 40. Mais là, elle n'était pas arrivée. Moi, je me suis endormie. Et à 20h, la maman d'une autre petite fille là, sur le camping m'écrivait « Ma fille est chez vous? » Et non, il n'était pas chez nous. Mais en tout cas, moi, je dormais. Là, je m'en suis pas aperçue. Puis Jonathan s'est comme réveillé à 1h15, je pense. En affaire de même, 1h15, puis elle était couchée, là, tu sais, je me suis levée, il m'a dit, va donc voir si c'est arrivé. Puis oui, elle était arrivée, mais elle était couchée tout habillée avec ses lunettes, en tout cas. Fait que là, ben, on va avoir une petite discussion aujourd'hui par rapport à ça. Elle n'a pas 16 ans, là. Tu sais, oui, elle est sur le camping et tout, mais elle n'était pas chez nous. Je sais pas où est-ce qu'elle était, je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Puis elle sait que quand c'est la barrière est annoncée, pour qu'elle revienne en roulotte, tu sais. Fait que je suis un peu déçue de ma fille. Les joies de parents d'adolescentes. Ça commence. Mettons qu'on n'a pas fini, là. Hein? Fait que elle va faire le chemin pour ses frères, ça c'est sûr et certain. Fait que ça risque d'être un... On apprend aussi nous autres là-dedans, là. On n'est pas des parents parfaits. Hein? On prend pas tout le temps les meilleures décisions non plus. On est bien conscient de ça. On essaye de prendre les meilleures décisions par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on a vécu nous. Fait que c'est ça. C'est pas évident hein, de gérer tout ça. Avec des petits en plus, tu sais. Fait que c'est ça. On est vraiment en apprentissage. Puis. J'ai hâte de voir vers quoi que ça va nous mener tout ça. Puis ça a toujours, on a toujours, tu sais, élevé nos enfants de la façon qu'on pensait que c'était le mieux. Fait qu'on va continuer comme ça. Mais c'est ça. Hein, je suis vraiment déçue de ma fille aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Tu sais, elle aussi, il faut qu'elle va apprendre à respecter les limites qu'on y met, puis à pas abuser, puis pas à pas faire en sorte qu'on perde sa confiance, qu'elle perde notre confiance. Je sais pas comment expliquer ça, en tout cas. Fait que c'est ça, mon petit update d'hier. Puis, hier, je me souviens pas si je vous en ai parlé, mais bon, dans l'après-midi, Marcus, j'ai fait une story Instagram par rapport à ça. Marcus, il restait une suce à roulotte, les autres sont toutes brisées, ou perdues, ou hein, je sais pas ce qu'ils sont. Il en restait juste une, puis elle aussi commençait, le bout était comme croqué, il croque ses suces, tu sais, rendu avec des grosses dents. Fait que là, hier, le bout a arraché. Donc, plus de suce. Il pleurait, il était fâché. Il était là, ah si, si! Fait que là, je vais l'acheter. Non, je veux pas l'acheter! Il voulait pas, là.
Fait que j'avais dit, moi j'avais dit à moi puis Jonathan, on était d'accord avec ça, que là, tu sais, il est rendu à 2 ans. Fait que on s'est dit, quand la suce, la dernière suce va être brisée, on n'en rachète pas. Puis c'est ça, il est rendu assez vieux là, pour plus avoir besoin de suce. Sa doudou, c'est correct, mais ça, la suce, non, c'est assez. Fait que c'est ça. Hier, je m'attendais à ce que ce soit extrême dur. C'est sûr qu'il a pleuré un peu plus que d'habitude. Tu sais, il chiale tout le temps un peu pour aller se coucher ou il chiale pas partout, là. Mais là, hier, il a vraiment plus pleuré. Fait une grosse crise. Mettons qu'il a pleuré 15 minutes, là, intense. Puis après ça, ben, je suis allée le border, là. Je suis allée me coucher avec, là, dans le lit. J'y ai chanté une chanson. Puis j'ai même pas eu le temps de finir la chanson qu'il dormait déjà. Fait que. Puis il s'est pas réveillé. Comme d'habitude, un matin, il a dit une fois « je veux ma susus », puis j'ai dit non, il n'y en a plus, il est brisé. Puis il n'a pas reparlé encore. J'ai hâte de voir à soir que ça va faire, mais à date, ça va bien. On va se croiser les doigts que ça continue comme ça, Seigneur. Puis c'est sûr que ça aide, hein, que son frère n'en prenne pas, là, que Oscar ne prenne pas de sus. Fait que, donc c'est ça, gros briefing à matin, hein? J'avais dit, il y en avait des choses à se dire. Aujourd'hui, donc, j'ai mon amie Sabrina qui s'en vient se tenter chez nous. Je suis full contente, j'ai hâte de voir, je sais pas à quelle heure qu'elle s'en vient, mais après, ça va être après-midi ou peut-être plus l'heure du souper, là. Fait qu'il y a encore une belle journée aujourd'hui, on est tellement chanceux, mon Dieu, que j'apprécie notre été, ça n'a pas de sens, comment est-ce qu'on va en avoir profité. Que je nous trouve donc chanceux d'avoir un été de même. Là. C'est un vrai été comme quand j'étais jeune et qu'on profitait de l'été. Il faisait beau. T'sais, dans le temps, on dirait que ça fait longtemps qu'il faisait pas beau de même. Je m'en souviens même pas d'un bel été comme ça. D'abord, les autres étés, quasiment, j'ai travaillé. Fait que c'était pas. J'en profitais pas non plus. Donc, c'est ça. Les petites cocottes sont allées promener Oscar ce matin. Je te dis, j'ai plein de petites mères qui m'aident. Bonjour bébé! Là, ben, ils viennent de me le reporter. Fait que je vais m'occuper du bébé, puis on se reparle plus tard. Bye! Alors, on est dimanche matin. Non. Dimanche, il est 11h environ. Super belle journée qui s'annonce. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez. Soleil mur à mur. Aujourd'hui, on va probablement aller à la plage avec les enfants. Marie-Pierre, tout le monde. On va passer une belle journée de camping à la plage. Bonne journée. On s'en va à la plage profiter du beau soleil. On est de retour à la plage aujourd'hui. Il fait encore super beau. Finalement, il a arrêté de mouiller. Il va sûrement remouiller, par exemple. Parce que c'est très nuageux. Et on ne se souhaite pas. On profite quand même du beau temps en ce lundi. Puis Oscar, il est heureux. Il est allé dans l'eau, il est drôle. Marcus aussi. Elliot et Enzo jouent tout le monde ensemble. Bravo! Dans le sable! Viens juste de quoi?
Coucou! Bouti, je fais des airs! Grosse facelette! La maman! Bon, ouais. Jonathan vient de partir pour le dernier match de baseball. J'étais supposée d'y aller, mais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller. Eliott, t'es déçu un peu que je sois pas allée. Tu t'es jamais venue, nénéné. Mais là. J'ai pas le temps. Avec les bébés, là, j'en ai plein les bras à la maison. J'étais en train de faire finir de manger Oscar, puis après ça, je vais donner le bain. À Marcus. Puis, c'est ça, je vais sortir dehors. Après, mais que Marcus soit couché. Parce qu'il est à peu près 6h, moins 10. Le temps que je lave, après ça, brossage de dents, dodo. Il a couru toute la journée. À la plage. Moi aussi, je mange une gomme. Fait que c'est ça, demain matin. On a le rendez-vous à Eliott à 9h30 avec l'infirmière. Elle va prendre sa pression, elle va prendre son poids pour voir si tout est beau. Fait que demain matin, on se lève, on s'en va à ce rendez-vous-là. On va les porter Ophélie et les autres garçons à la maison. Puis il faut qu'on reste à la maison de midi, entre midi et 5h, parce que il y a un technicien Vidéotron qui vient pour notre modem qui a sauté. Puis ben, mais qu'il soit venu, ben moi après ça, je vais faire ma publication du vlog que j'ai pas commencé encore. On va faire ça ce soir. Et puis, après ça, quand le technicien va être venu, on reste à la maison demain soir, fait que c'est ça. Parce que mercredi, on va faire nos commissions. Fait qu'on commencera pas à descendre, venir, on va rester à la maison. On va revenir mercredi après-midi avec nos commissions. Alors, c'est ça tout le monde. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle nuit, une belle journée. Parce que ça fait déjà longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Puis j'oublie toujours de fermer mes vlogs. Fait que là, ben, ça finit plus. Fait que là, je vous dis une belle soirée. J'espère que vous avez des belles vacances. J'espère que vous avez des belles vacances. J'espère que vous allez avoir des belles vacances si ce n'est pas encore pris. Puis on se reparle demain.